Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées, de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs. Le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 2 avril 2024, le message des anges, n'est-ce pas? J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors avant de commencer, la petite philosophie du matin, donc pensée positive, nul n'est responsable de la tête qu'il a, mais de celle qu'il fait. C'est à méditer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai pigé le 5 d'air.
c'est la suite d'air. Et la suite d'air, elle représente l'intellect. Et dans le tarot traditionnel, eh bien, c'est la suite des épées. Elle se concentre sur les nouvelles idées éblouissantes, les choix inspirés, les capacités de communication qui permettent de se rallier avec le monde et de rallier tout le monde. Cependant, la suite d'air décrit également, eh bien, les périodes où l'on est en conflit avec les autres, incapable de prendre une décision ou même coincé dans sa propre négativité. Puisque c'est la suite du mental, eh bien, elle reflète également les moments de peur ou d'inquiétude. Quand de telles cartes apparaissent, eh bien, c'est pour nous aider à voir qu'il ne s'agit là que d'illusions dont on peut se défaire. Puisque nos problèmes sont nos propres créations, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons les régler par nous-mêmes. La suite d'air représente enfin les questions légales liées à la vérité et à la justice. Cette carte, c'est la logique perspicace, sagace, un défi intellectuel passionnant, des idées brillantes, des informations dont vous avez besoin, mais peut-être difficiles à obtenir. Examinez très soigneusement tous les documents, aussi cette carte qu'elle vient vous dire. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous faites de votre mieux. Oui, n'en doutez pas. Mais vous ne prenez pas toujours les bonnes décisions. Rassurez-vous. Ce n'est pas grave, car rien n'arrive par hasard, et ça vous le savez hein, maintenant. La sagesse que vous tirerez de cette situation présentement vous aidera dans vos choix futurs. Considérez, eh bien, que cet arcane est comme un avertissement qui vous invite, eh bien, à choisir une autre manière de procéder. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main, n'est-ce pas? Ce n'est pas un message réprobateur de l'univers, mais c'est plutôt un conseil bienveillant pour vous aider à avancer. Alors, soyez bien conscient que les personnes de votre entourage, eh bien, peuvent avoir des motivations différentes des vôtres. Les raisons de leur acte peuvent être douteuses ou simplement en désaccord avec votre vision des choses. On vous invite à éviter les personnes négatives et veillez à vous comporter vous-même de manière honnête et intègre. Vous êtes dans une problématique où vous ne voyez pas l'issue. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un avis. Un avis autre que le vôtre. Peut-être que vous avez besoin à examiner très soigneusement des documents. Peut-être que vous devez signer. Donc ne prenez pas ça à la légère et ne signez pas tête baissée. Parce que ça pourrait se retourner contre vous dans n'importe quelle situation que vous vivez présentement, donc que vous vivez aujourd'hui, il est très important, avant de prendre une décision, de bien regarder les tenants et les aboutissants. De ne rien signer et de ne pas prendre de décision avant de bien comprendre et d'avoir tout en main. Il serait peut-être judicieux de communiquer clairement ce que vous ressentez, le pourquoi du comment, que vous hésitez et que vous avez des difficultés à prendre cette décision
pour ne pas prendre des décisions et foncer dans le lard, n'est-ce pas? Alors, peut-être qu'il est aussi sage de demander à votre entourage des conseils. Encore une fois, les conseils ne sont pas les payeurs, n'est-ce pas? Mais peut-être qu'il vous faut un peu plus d'informations pour prendre cette décision, que ça soit une décision professionnelle, sentimentale, personnelle, familiale, etc. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un achat, n'est-ce pas? Voilà, c'est dans tout domaine. Hein? Vous seul savez ce que vous vivez présentement. Alors, cette carte de sagesse, elle vous dit, il est temps d'examiner vos actes passés et vos projets futurs pour chercher, eh bien, un meilleur moyen de procéder. Et c'est l'archange Sandalphon qui est votre sage conseiller. Et il veillera à ce que vos demandes de conseils soient rapidement exaucées. Vous savez, et si vous ne le savez pas, que l'archange Sandalphon a été un être humain avec son frère jumeau. Donc, si vous ne le sollicitez pas, eh bien, il ne viendra pas à vous. Donc, sollicitez-le, et demandez-lui un geste, un signe qui pourra vous aider dans cette prise de décision. Faites appel à lui et tous les archanges, ils ne demandent que ça, de venir vous aider. Mais si vous ne les appelez pas, ils ne viendront pas. Eh bien voilà le magnifique message du 5 d'eau, n'est-ce pas? Et je termine avec l'affirmation positive. Eh bien aujourd'hui, je décide de me concentrer sur le positif. Aujourd'hui, je décide de me concentrer sur le positif. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain avec un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.